au domaine de l'Ermitage, situé dans le vallon de la Coudoulière et en contrebas du vallon de la Renardière. C'est un domaine qui a été racheté par le Conservatoire du Littoral, qui est donc une zone protégée et donc est entretenue par un métayer qui met en valeur tout le patrimoine agricole, les vignes, le vin maintenant le rosé de l'Ermitage, c'est un vin qui commence à être bien classé. Et c'est une ferme pédagogique, donc les enfants des écoles viennent régulièrement dans le domaine pour découvrir les animaux de la ferme et les légumes et faire des plantations avec le métayer. J'ai choisi ce lieu pour commencer la visite parce que nous avons subi un incendie terrible le 29 juillet 2019 et il a fallu aider la nature en replantant des pins parasols et des chênes, diverses essences pour reconstituer la forêt. Il y a eu un gros travail d'implication au niveau des mandréens, des bénévoles, des associations. La métropole Toulon-Provence-Méditerranée nous a aussi aidés financièrement. Et donc nous avons replanté 5500 pins parasols et 2000, un peu plus de 2000 chênes. Les plantations ont bien marché, il y a eu plusieurs journées de plantation en novembre. Entre les bénévoles, les pompiers et les écoles. Et puis ensuite, il y a eu deux grosses journées d'arrosage. Et la nature nous a bien aidés à l'automne parce qu'il a pas mal plu. Et là, nous avons refait une replantation d'à peu près 300 pins parasols qui étaient morts. Mais enfin, on a eu un gros taux de réussite au niveau de la prise de ces arbres. Et donc, on le voit très bien, le vallon se reverdit petit à petit. Bon, il y a eu tout un travail de nettoyage aussi. Et là, donc, la replantation a été effectuée par les écoles des jeunes sapeurs-pompiers du Luc, Draguignan et de Sanary. Cette plage de la Coudoulière, vous voyez qu'elle est vraiment magnifique. C'est vraiment un site naturel. Alors Coudoulière, parce que plage de galets, puisque le Coudou, c'est un galet en provençal, hein, Coudoulé. Et vous voyez que la pointe ensuite s'ouvre sur la pointe du Cap Sissier avec la plage de Cavalas. Voilà, c'est un des côtés vraiment très, très, très beau de notre presqu'île. Et donc, le Conservatoire du Littoral donc, a un grand projet avec la municipalité. On va renaturaliser complètement cette zone avec un théâtre de verdure et la restauration du fort de la Coudoulière qui est en contrebas. Et la naturalisation totale de la plage, c'est-à-dire que le parking qui avait été construit dans les années 90, là, en goudron, va être enlevé et la pente douce va partir du domaine vers la mer en zone complètement naturelle. Nous allons prendre le sentier des douaniers, donc qui part de la plage de la Coudoulière et qui nous conduit à la plage du site de Cavalas, donc sous le Cap CP. Cette plage, mis à part que c'est un très beau site naturel, une plage de galets magnifique, elle est un peu historique aussi parce qu'elle a été le site du tournage de L'Âge Ingrat, film de Gilles Grangier avec Fernandel et Jean Gabin. Et donc la maison qui est située ici avait été réquisitionnée aussi pour le film. Nous
allons arriver à un point qui est très intéressant pour observer le paysage. Et c'est pour ça qu'on a installé ce petit banc, puisqu'on est vraiment entre le Cap Sissier, avec les deux frères, la pointe du Cap Sissier qu'on voit là-bas au large, et le Cap CP. Voilà, et c'est un endroit qui est très agréable parce que, bon, aujourd'hui c'est nuageux malheureusement, mais par temps de soleil, il y a des reflets sur la mer qui sont magnifiques. Nous arrivons à la plage de Cavalas, donc située sous le terrain militaire du PEM, Pôle École Méditerranée, et donc en contrebas du Cap CP. Et on peut voir les vestiges d'une rampe de lancement pour les sous-marins qui avait été construite par les Allemands sous l'occupation de Saint-Mandrier et qui, heureusement pour nous, a été bombardée avant l'achèvement des travaux. Mais il reste donc ces gros blocs que l'on peut voir, d'où quand la période estivale est là, les jeunes de Saint-Mandrier se régalent à plonger. Nous étions ici au domaine de l'Ermitage avec le fort de la Coudoulière. Nous avons pris donc le sentier du littoral en partant de la plage de la Coudoulière et nous sommes ici arrivés à la plage de Cavalas. Nous allons remonter maintenant vers la Croix des Signaux, vers le cimetière national franco-italien où est situé le mausolée de l'amiral Latouche-Tréville, la belle pyramide. Donc, qui fait 7,25 m de hauteur, qui avait été implanté tout d'abord à la Croix des Signaux, mais ensuite étant facilement repérable par les ennemis éventuels, elle a été déplacée donc, dans le site actuel au cimetière national. Et puis ensuite, nous irons donc en repassant par la Renardière sur les hauteurs donc de la presqu'île, nous allons redescendre vers le Marégot et découvrir la plage de Saint-Asile. C'est un lieu historique déjà parce que nous avons devant nous la pyramide où repose l'amiral de Latouche-Tréville, donc grand amiral, grand marin, grand aventurier, et donc dont les faits militaires sont immenses. L'amiral Latouche-Tréville tenait à reposer dans un endroit d'où il pourrait voir arriver les ennemis des quatre points cardinaux. Donc au départ, cette pyramide avait été élevée à la Croix des Signaux qui est au-dessus du cimetière, mais trop visible puisque cette pyramide mesure pas loin de 7 mètres. Il a été entièrement déconstruit, pierre par pierre. Il faut vous dire que ce monument a été construit par les bagnards du bagne de Toulon. Et donc, pierre par pierre, il a été remonté en ce lieu où maintenant il repose tranquillement. Et c'est un lieu qui est à la fois un lieu historique, parce que bien sûr franco-italien, puisqu'il y a la dépouille de soldats italiens, serbes, français, mais aussi un beau lieu de promenade, parce que comme vous allez le voir, nous avons un aperçu de la rade magnifique. We'll be right back.
Nous voici devant la plaque commémorative qui indique bien que notre vice-amiral Latouche Tréville est mort à bord de son vaisseau, le Bucentaure, en rade de Toulon, le 17 août 1804. Voilà, c'est le commandant en chef des forces navales de la Méditerranée. Et donc, ces deux magnifiques sphinx gardent le mausolée. Nous allons terminer notre visite des sites naturels de la Presqu'île par la maison Flichebergy, qui vient d'être donc rachetée par le Conservatoire du Littoral. Et donc c'est un magnifique projet de réhabilitation de cette belle villa. C'est un de nos projets de mandat. Donc il va y avoir au premier étage le site du Conservatoire à rayonnement régional Toulon-Provence-Méditerranée. Et au rez-de-chaussée, donc la villa accueillera les enfants du centre aéré. Et donc toute la partie naturelle va être préservée et il y aura un parking végétalisé comme vous avez pu le voir au domaine de l'Ermitage. Et en fait, voilà, cette zone va être le pendant du domaine de l'Ermitage puisque là, nous sommes de l'autre côté de la Presqu'île, en bas du Cap Sissier.